m'appelle Samir Abdelkrim, je suis le fondateur de Startup Bricks. Je suis le co-organisateur, co-producteur d'Emerging Valley 2017, la première édition de cette nouvelle manifestation, ce nouveau rendez-vous de l'innovation entre la Provence et l'Afrique, avec mon associé Marseille Congrès MCO et Dario Mougel, que je salue. Cette première édition était véritablement importante parce qu'il s'agissait pour nous de connecter les écosystèmes directement entre la Provence et les écosystèmes africains. Je suis Marseillais, j'ai beaucoup travaillé sur les thématiques internationales de la ville de Marseille dans ma vie passée. Ensuite, j'ai fait ce grand tour de l'innovation en Afrique, Tech Afrique, qui a donné ensuite un livre qui s'appelle Startup Lions. Et mon rêve, finalement, c'est de revenir un peu sur la terre où j'ai vécu et d'amener ces écosystèmes africains pour les connecter avec les startups et l'écosystème local. Ça a donné Emerging Valley. C'était une idée, un rêve qui est devenu quelque chose de très concret grâce à nos partenaires. Encore une fois, grâce au département des Bouches-du-Rhône, partenaire principal, grâce à la métropole Aix-Marseille-Provence, grâce à la ville de Marseille, grâce à Euroméditerranée, grâce à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence et Africa Link et la Banque mondiale qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés et grâce à The Camp, qui est le lieu d'accueil, qui héberge toutes nos startups et qui ont fait de ce projet de connexion, pour créer des ponts business, d'innovation humain entre la Provence et l'Afrique, une réalité concrète. Et nous avons fait cette édition 2017 qui a réuni plus de 400 participants, près de 20 speakers internationaux. Au total, on avait plus de 40 speakers. Et l'idée, c'est de pouvoir construire quelque chose de plus grand en 2018, toujours avec cet axe fort avec l'Afrique, mais avec une ouverture sur d'autres marchés émergents. Et l'année prochaine, on veut faire une triangulaire entre la Provence, l'Afrique et l'Asie et faire venir plus de startups africaines, plus de startups asiatiques et de leur dire que c'est ici, sur ce territoire, qu'ils peuvent se connecter et créer de la valeur et créer des connexions dans l'innovation, dans le business et des connexions également humaines. Et c'est avec ça, c'est ce que nous voulons faire avec Emerging Valley.